Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios, la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dani et la radio Puissance Max. Pour notre samedi 9 avril, notre quinté aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes dans la Réunion à course 3, conditions de course 2100 mètres, départ avec l'aide de l'Autostar et 15 partants. Il y a de très 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 bons chevaux au départ. Donc, vous voudra mieux l'avoir dans l'ordre, parce que si c'est dans le désordre, ça va rapporter des cacahuètes. Merci également pour tous vos commentaires que je reçois sur ma chaîne YouTube. Cela me fait extrêmement plaisir. Donc, pour notre samedi, j'ai placé en tête de ma sélection le 1 Fast Time, qui sera mon cheval du jour pour ce quinté. Je viens de gagner ces deux dernières courses. Donc, comme on dit en football, vers le hat-trick, le coup de chapeau, on verra bien. Je lui oppose le 2, 14, Glamour Queen, qui sera mon opposition directe à mon cheval du jour. Elle aussi est pas mal du tout en ce moment. Elle vient de gagner à 3 reprises. Donc là, entre le 1 et le 14, il va y avoir un très, très, très beau match. Le 8, attention, lui aussi, Usain Toy, lui effectue une petite rentrée. Mais elle est tellement bien en ce moment, j'y crois. Le 2, Goéland of War, sera mon très très gros coup de cœur. C'est un cheval plutôt régulier, je pense. Donc là, vous avez vu qu'avec mes 4 bases, ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Le 1, le 14, le 8 et le 2. Donc là, il va y avoir un match. Après, comme je dis, l'ordre, ça va se jouer un peu de choses. Vous pouvez l'avoir dans l'ordre. Donc mes 4 très très bonnes bases pour notre quinté, pour notre samedi, le 1, le 14, le 8 et le 2. Le 6, Falcon d'Avaroche, avec Eric Raffin, peut venir prendre une belle place. Oubliez ses dernières courses où il avait été disqualifié. Et avant, il avait fait vraiment de très, très, très bonnes choses. Deuxième, premier. Donc, racheter ce cheval. Le 15, Armour AS, peut venir prendre une place. Le 13, Vicky Laxmi sera bon. Coup de folie, c'est un cheval qui est plutôt régulier, donc il peut venir prendre une très 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 belle place. Le 9, Ingo, qui sera mon coup de folie en cas de non partant, le 11. J'ai aussi un petit regret avec le 3, Vincent Ferme. Donc entre le 11 et le 3, c'est mais vraiment deux très très gros regrets, mais il faut bien choisir. Bon, cheval du jour, le 1, mais deux grosses bases, 1 c'est 14, là je pense qu'il va avoir un beau match. Mon coup de cœur, le 2. Mon coup de folie, le 13, et mon coup de poker, le 9. Mais 2 sur 4, le 1, le 14 et le 8. Mes couplets gagnants placés, le 1, le 14, le 8 et le 2. Je répète ma sélection, mes amis. Le 1, le 14, le 8, le 2, le 6, le 15, le 13 et le 9. Voilà, ça est terminé pour notre pronostic pour notre samedi 9 avril. Retrouvez-le bien sûr sur la radio la 16.fr, sur la radio RDC.fr. Et petit mot aussi sur Jean-Michel Bazière n'est pas dans le départ du KT parce qu'il part dans une autre course avec son champion Kli N'Gam. Donc c'est pour ça que le champion Kli N'Gam est dans une autre course. Donc je tenais à en parler un petit peu comme ça. Sur ce, mes amis, merci encore une fois pour tous vos commentaires et je vous dis et la bonne humeur surtout que vous mettez sur ma chaîne YouTube, ça c'est très 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 important. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Orfois, le Pharaon, les courses.